Effectivement, hein, c'est d'abord un article du Wall Street Journal qui a été publié ce matin, donc indiquant les grandes lignes de cet accord de Paris. En quelques mots, Jean-Charles, d'abord première étape, Israël cesserait donc les combats pour une période de 60 jours en échange que le Hamas libère tout d'abord les personnes âgées, les femmes et les enfants. Ça garantirait également une liberté de mouvement pour tous les Gazaouis. Deuxième point, Jean-Charles, le Hamas libérerait ensuite les femmes soldates. Et troisième point, les soldats, donc hommes, seront donc libérés. Vous l'avez dit, hein, de plus en plus de rumeurs circulent en ce moment même sur cet accord imminent, en tout cas du côté israélien. Pour l'instant, il n'y a pas de réaction. Il faut savoir que le cabinet de guerre s'est réuni derrière moi, un peu plus loin sur la... Ici, nous sommes place des otages. Il y a le QG de la Défense, la Kiria. Donc, ce cabinet de guerre s'est réuni tout à l'heure à 19h. Gageons évidemment que l'accord pour la libération des otages a été au centre des discussions. Pour l'instant, donc, aucune annonce officielle de la part ni du gouvernement ni de l'armée, du moins. En tout cas, le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, lui, se veut plutôt pessimiste quant à un éventuel accord de libération des otages. Il ne veut pas induire les familles des personnes captives justement en erreur. C'est ce qu'il a déclaré tout à l'heure. Et puis du côté qatari, Jean-Charles, c'est le porte-parole du ministère des Affaires étrangères qui est plutôt optimiste quant à lui. Pour lui justement, pour la version, pour le côté qatari, eh bien, Israël aurait donné un accord de principe ainsi que le Hamas. Merci Loïc Stéchel.